précieux petit monde, de notre précieuse vallée de Joux et région, si importante à nos yeux et à nos cœurs. Merci encore à tous pour votre confiance. Et je profite d'avoir la parole pour vous donner peut-être à vous l'occasion de changer un petit peu votre monde et vous rappeler l'échéance très importante des votations du 4 mars. Deux objets. L'initiative Nos Villages, je crois qu'il y a eu assez d'articles dans les journaux pour que vous sachiez de quoi il s'agit. C'est quand même 13 500 emplois en Suisse, 4 000 emplois en Suisse romande. C'est 95% des Suisses à partir de 15 ans qui regardent une fois par jour ou écoutent une des radios qui sont subventionnées par la redevance Nos Villages. La redevance Villages. C'est des manifestations sportives et culturelles dont vous profitez, le paléo, le Montreux, Athlétissima, des retransmissions sportives qui sont quand même financées grâce à la publicité et aux redevances des télévisions à ces manifestations. Alors je vous encourage, le PLR au niveau vaudois a voté à l'unanimité contre cette initiative, sauf les jeunes, le PLR, mais les PLR matures comme nous. Et puis deuxième votation, la prévoyance dentaire. Alors juste quelques chiffres, 300 millions par année que ça va coûter les cantons, 100 millions. Partagé en trois tranches, donc 100 millions qui sera financé par les travailleurs, donc les travailleurs taxés AVS, donc la plupart des gens qui sont ici, donc un prélèvement sur vos salaires de 0,5%, un prélèvement paritaire, les entrepreneurs qui sont ici devront aussi payer 0,5% sur le salaire de vos employés, et le dernier tiers pour les gens qui sont soit qui sont au revenu d'insertion ou des gens qui sont plus actifs, c'est 100 millions qui devront être payés par vos impôts. Donc, beaucoup de personnes, comme vous et moi, vont passer juste trois fois à la caisse pour cette prévoyance dentaire, en sachant quand même que ce qui se dit dans les journaux est très mensonger. Tous les soins ne vont pas être pris en charge. Hein. C'est les soins de base, c'est la prophylaxie, c'est les contrôles, c'est les soins de base comme des caries, mais tout ce qui est pontage, tout ce qui est implant, tout ce qui est orthodontie, tout ça ne sera pas pris en charge par cette assurance dentaire de base. Donc je vous encourage tous, c'est aussi le PLR Vaud, à l'unanimité à voter contre cette initiative.